Balimao, Alinakuma, très urgent. Balimao, Wassim Nasser, ni France 24 journaliste ido, a bora ka kuma mena kuma kan kala malien bela jelen kala na ko kale ni terusu kumana ko terusu ko alema ko le ataki ke choka mina ale bora ko de nyafo sa ko a ko terusu ko kumena mali mali ro ko bama ko fambe ko lubuno atake me malien aka na panike kwa ni guerre de communication li andale manga sura sula awa mali armé ye mugon tlanche bemine France 24 journaliste de bora ka terusu fasada mena kala ngala me nyoko fe abena kuma ufaka bwa klima awa ma fo mali wa kana panike de France awa chema attaquer musoma attaquer France da attaquer ma sikala na kibena manipulation kuma wero fode ah mauli de donné ah et katara moko indexé mali chef d'état major général Oumarou Diarra alaka baraka do ila mali armé boraka fo moko moko betaka moko wero to fo aya be fi utugula de olu yera de terrorisme ye ba moko kono terrorisme mali terrorisme to ko de conférence a jamu Macron abana to re cité terrorisme la ni France té katiki jore kapita dina do la gushi ko terrorisme o tede do be fe ka mokola nyina franchi ko di ala franchi journaliste re bora kali ni terrorisme bora barula ko terrorisme ye mu fale na mena kala mali anga je kula je nyokon fe me aka na panike de u be fe ka ni kede wala saka am bwan jaka me ante bwan jaka anga arme victoire ba de kebi anga arme utlanche be mine bi c'est vrai ou ya taki do ke bon ambe do ke mamu sala la ka hinu la ku daronya malion Wassim Nasser ayo kuma mu fo a video fle anga janga video na menyo fe folo wallahi malion dabal ban ko do anga na me folo et on a des images de cela. L'attaque a commencé, donc des tirs nourris, donc d'armes lourdes, 12-7, 14-5, des tirs de Kalachnikov, et qui ont duré plusieurs heures, et dans deux lieux, effectivement, deux lieux différents. Donc l'école de gendarmerie et la base 101 précisément, c'est une base de l'aéroport militaire de Bamako. Il n'y a pas de drone dans cette base, parce qu'il y avait la rumeur que c'est une base de drone, mais c'est une base où il y a des aéronefs. Il n'y a pas de drone dedans, mais il y a des aéronefs. Donc deux attaques simultanées. C'est inédit pour Bamako. Question posée très vite, ça m'a été revendiqué donc par les djihadistes d'Al-Qaïda qui m'ont parlé d'une attaque préparée de longue date et que ils attendaient de choisir leur moment pour attaquer à Bamako et Dixit, c'est peut-être le début de plusieurs autres attaques donc dans la capitale malienne. Ako kale terrorisme kumana kale terrorisme nyinga toko terrorisme ko kumena mali attaquer kumena bamako attaquer le damene ko mabako yoro nyana ma fefe be no ko terrorisme ko kumena to kai attaquer de kechas kawa ku peralendo ku ya attaquer prepare ka mena awa ku peralendo bi ko marfa bu bolo bi ko bomu bu bolo bi kawa ku be fego ka mali attaquer journaliste mu mekani kuma fo franci journaliste do ko ale era do meteu rusuda anga kuma to la me maliyon. Il y a eu des affrontements aussi dans des zones de repli. Les djihadistes ont choisi des zones de repli, donc dans certains quartiers, il y a eu des affrontements, ce qui expliquerait peut-être les tirs sporadiques qui ont duré encore plusieurs heures. La situation reste incertaine. La seule certitude, donc deux sites attaqués, l'école de gendarmerie, plusieurs élèves gendarmes ont été tués, plusieurs blessés, mais on n'a pas de bilan précis, ni du nombre des attaquants, ni du nombre des victimes à l'heure où on parle. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on est au lendemain de l'anniversaire de l'AES, de l'Alliance du Sahel, donc elle est un an de cette alliance, mais on est aussi le jour de l'anniversaire de la gendarmerie. Donc la date a été choisie par les djihadistes pour faire un impact, on va dire, moral important pour les... Ko et AES anniversaire. Ko terrorisme yen la ben mena yaro ayesi ka sankeli anniversaire o kumbe ben kununi bidema donc si ça ko terrorisme ya planifié ko yen ni bara y préparé mena dobi jode unana mauli ke lawde fede abulo ko ataki be ketande ay ataki ke chokola je tro o yam mali point sensible munaje gendarmerie école de gendarmerie ya sari ke nité ataki ka be préparé ali kalo fla konana ni ani pré e ma chere bora ka fo. Donc, il y a quelqu'un qui va faire un peu de soufi, qui va faire un peu de chrétien, qui va faire un peu voilà, il y a une façon de faire, andale manga armé là, ni mali armé et moufo ortem na andale mbouri là. Armé et renge mou bora ka tangarra mou yé mou mbe galunte ke la réseaux sociaux kaka mou indexé. Mali chef d'état major ko kaka dabla. Konama dabla, ko mou mou biski ba mou konoka galon nora mou la, ko karsale dondro koube to tiki mene. Mali armé ya fore, mou biski ya aka salon gono galunte ke la. Ko karsa de nike de karsa de nike mali terrorisme to ko de franci kuy awa franci de nike aya la je u yanga yoro attaque chukamo ya planifié chukona lance roketi ubu e pe no ba do mali ko ubu do kelengelen u jamate do
Ah, pour le côté russe, j'ai mal avec Philippe Adoua. Ah, ou nanane, ah non, eh, ou nanane de, ou maouli kela ou li fede, ah, pour le côté russe, j'ai mal avec Nouvena, ou bou kelengele n'indoni. Ou ben, quoi, d'être la vidéo qui m'a en colosse, ou beka infiltré. Ah, et t'as vidéo corps la jambo, wallahi n'yafo, ou beku entraîne, ou beka nan malikama. Ah, c'est ou beka injateke, d'akele. Mais, ame armé fou, ame malion fanafo. Mais, akana panique fana. Mais, ou ya kede, ou ya préparé de dé. Voilà. Donc, anga tchèka kouma tola me. Pour les forces armées, et donc plusieurs morts selon les djihadistes, plusieurs morts selon des sources sur place, hein, même si on n'a pas de bilan précis, et finalement l'armée, après une petite période de déni, on va dire, a reconnu, et voilà le communiqué, que plusieurs sites ont été attaqués, sans parler de la base 101, parce que la base 101, c'est aussi la base de Wagner, et ils n'aiment pas parler de Wagner, donc ça c'est un détail important. Les djihadistes ont dit que plusieurs aéronefs ont été brûlés, voilà. On n'a pas la preuve en image. Voilà. Ko terrorisu ko alema ko terrorisu ko ale de kera terrorisu ka porte parole bi Wassim Nasser a photo flen France 24 journaliste ko terrorisu ko kuya nga avion chairman jini ku obe jini ayo kuma ina mede maliyo anga kuma tola me. Donc ça m'a été dit avant le communiqué et après le communiqué, mais on a pas encore d'images qui prouvent. Ah maliyo ko ça m'a été dit avant le communiqué ou après et après le communiqué. Yaro djadisu yo communiqué que kuya nga a report do jini ou ya photo do bla. Bon, moi je vais pas vous montrer ça, mais on avance. Ça fait partie de la vie. Mais ako kuya ni djadisu ka communiqué bla kuya nga a avion do jini. Ko aller informer la ka falingena. Ko aller ni terrorisu de be kuma téléphone na 600. Eh malion nous ne be kan fleu ou be kan fleu nous sorto aide. Wassim Nasser de fleu kan ifo. Ah malion chama attaquer musoma attaquer Francis dans attaquer à Ben Ala che Francis dit. Ne mo mo pora ka ben akuma vera photo ro ay WhatsApp tiga atigi do be fe kanangi na Francis kodi. Abe na onoro karamo ko do lade ah nin karam. Hey mali terrorisu to ko Francis a jamu makoro. Est-ce qu'on recite un acquis maintenant Congolais Nyagamiya? Personne ne va venir nous manipuler. Aya, il va. Moi, mon nom, faut c'est des gens qui ne sont pas sérieux. Mais à tiens, il faut y en a. Mais à flèche, fleka. Wassim Nasser fleka. Faut n'étanto. Côté russe, il y a les oléka. Fallait gena. Kuya Mali avion jini. Voilà. Kuya Mali avion jini. Anga kuma tola me. Quoi qu'en a casseur. Terre russe m'a communiqué blade. Ma oron na siki kofet doni. Et le trop fitini. Voilà. Anga na me. Voilà. La base 101, c'est aussi la base de Wagner. Et ils n'aiment pas parler de Wagner. Donc ça, c'est un détail important. Les djihadistes ont dit que plusieurs aéronefs ont été brûlés. On n'a pas la preuve en image. Donc ça m'a été dit avant le communiqué et après le communiqué. Mais on n'a pas encore d'image qui prouve. Voilà. Ça m'a été dit avant le communiqué et après le communiqué. C'est-à-dire que il y a des djihadistes qui ont communiqué à Fraling. C'est-à-dire que les djihadistes ont communiqué à Fraling. C'est-à-dire que les djihadistes ont communiqué à Fraling. Français, c'est-à-dire que les français. Mais on a dit qu'il y a des djihadistes qui ont attaqué. Wallahi. Olda nema fana ngo kelai maban nema fonga nga beba mako kono awa nama bomako sumaya wala billahi nana la chem jugute nya bwana abena na krache u be surprise de kanau parce que benyo nga glugi ba samalla ante be awa nama be akili koko be kachu ma teketi il est temps que anka be mba nyiri presa simi ngo ita fa ke ala kama ka mali on kala iga arabo politique jeune ngon politicien be kata unendo yine ngoro kini bebla ngona Mangan be bamako kono be malia ou be nyoko mburuja be bamako kono terrorisme fle ki profiter kana sur notre service de renseignement kanga mbe ou mais ante jalagili ke quoi mais ambe conseil de dit parce que na be nyoko kala la to na be nyina di djugu be do o tela ne ngante moko jalagi ne be moko kala mi jalago franchi di point barre ne te malien kala jalagi mais ne ngande conseil ken di anga cheka kuma la me les aéronefs qui ont été brûlés donc voilà la situation à l'heure où on parle et est-ce qu'on sait si ça continue ou pas. Il y a des tirs sporadiques, pour mais j'ai pas l'impression qu'il y a des affrontements, en tout cas, entre les djihadistes et les forces de l'ordre actuellement. Vous venez souvent de parler de la situation dans le Mali, mais dans le nord, dans le centre. Là, on est en plein cœur de la capitale à Bamako. Qu'est-ce que ça dit de la situation, de la vulnérabilité aussi peut-être de la capitale? Ça confirme en tout cas que les djihadistes continuent d'accentuer leur emprise autour de la capitale. Hein. Il y a des attaques tout le long de l'été à 50, 40, 60 kilomètres de la capitale, même dans la zone de Sikasso. Il y a eu même des arrestations de certains djihadistes qui passaient du Burkina vers le Mali et avec qui les autorités, selon des sources locales, encore une fois, ont trouvé des plans de la capitale. Bon,
ça vaut ce que ça vaut, mais on sait aussi que la capitale est très poreuse pour les djihadistes. On va voir sur une carte les dernières attaques dans la capitale. Donc dernière d'importance, c'est Akati, cœur du pouvoir militaire, hein, 22 juillet 2022. Et puis les attaques d'aujourd'hui, sans oublier le rapt d'un prêtre allemand qui a été libéré depuis en novembre 2022 et la fameuse attaque de Radisson Blu qui remonte à 2015. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que depuis 2015, les djihadistes se sont concentrés sur des cibles militaires. Parce que, comme on sait, des djihadistes en ville, entre guillemets, c'est une denrée rare pour les groupes eux-mêmes. Donc, qui décide de les diriger vers des cibles militaires très difficiles, c'est un choix donc politique qu'ils font vis-à-vis des populations locales. Sachant que l'attaque de Kati avait échoué, l'attaque de Sévaré aussi plus loin avait échoué. On n'a pas encore de bilan sur cette attaque-là, mais c'est beaucoup plus facile, entre guillemets, de s'attaquer à des civils, à un centre culturel, etc. Ce qu'ils ne font pas au Mali depuis 2015 et ce qu'ils ne font pas au Sahel depuis l'attaque de Aziz Istanbul à Ouagadougou en 2017. Donc c'est une démonstration aussi qu'ils essayent, entre guillemets, de gagner les cœurs et les esprits des populations en disant on s'attaque aux militaires. Même s'il y a des exactions, on en parle souvent au Burkina ou ailleurs, mais plus on s'éloigne du centre malien, qui est le centre du pouvoir, on va dire, d'Al-Qaïda, plus ça se délite en termes de discipline ou de suivi des ordres. Mais quand on est vraiment au Mali, on voit qu'il y a un vrai plan qui est déroulé et des choix qui sont faits même par rapport aux dates. Et on voit aussi, par exemple, que le choix de Wagner, qui est de protéger le pouvoir, ben non, ça ne marche pas non plus. Voilà. Parce qu'ils sont envoyés dans le nord. Voilà, voilà. Ima isa ube u toujours sare ke plein d'abord amin kama ka ira ko irisu tiseko ka male ona tega u ira ka mandale mbanga armée la pion awa male on obega da male armée la fui aya njamfa du aya njamfa de ka waye sekite je teruso mena ko tasma blala ko jenu male u tama jirinde anga kuma tola me la bataille de Tinzouatane mais ils arrivent même pas à protéger Bamako, donc ça aussi ça va poser question. On a des images des camps d'entraînement dans le bon on est ala na kratche. Ou bien ça, Ima et Sabeka Terusu Sangorota ka virula. Billahi, eh! Malen wallahi, billahi, Faransi didou. Men kale alala, Faransi didou. Ah, eh, Allah. Non, de soutien, non, wallahi. Et on voit aussi, par exemple, que le choix de Wagner, qui est de protéger le pouvoir, ben, ça ne marche pas non plus. Tu vois? Ils sont envoyés dans le nord, il y a eu la bataille de Tinzouatane, mais ils n'arrivent même pas à protéger Bamako. Donc ça aussi, ça va poser question. On a des images des camps d'entraînement dans le Massina. Donc Massina, c'est la région qui a revendiqué l'attaque. Et donc ça, c'est une vidéo parmi des dizaines qui ont été diffusées, on va dire, cet été. Et on voit qu'ils peuvent s'entraîner, qu'ils sont bien équipés. Ils n'ont pas peur d'être frappés comme à l'époque où Barkhane était déployé. Ils n'ont pas peur d'être frappés par les drones donc de fabrication turque. Parce que même si ces drones existent, ils ont une capacité de vol qui est, de portage d'armes qui est limitée. Intéressant aussi, on va voir deux vidéos de communiqués de chefs d'Al-Qaïda. Donc Sedan Agita, lui, qu'on voit ici, premier communiqué vidéo. Donc qui est sorti il y a quelques semaines, où il s'attaque vraiment aux gens, aux Russes et aux Turcs, donc aux Turcs à cause des drones de fabrication turque, et aussi le frère de Jafar Diko pour la dimension régionale, donc Jafar Diko, chef du Jnim au Burkina, le voilà, première fois qu'on le voit en vidéo, pareil, il parle des jeunes qui recrutent les civils de force, il parle des Russes, et il parle des Turcs, donc c'était vraiment des manifestes, on va dire, politiques que Al-Qaïda est en train de faire sur la zone, il n'y a pas de mention de la France, pas de mention de l'Occident, et pour terminer, on va voir une carte qu'on a vue plusieurs fois ici, c'est la carte de l'activité djihadiste au Sahel. Donc là, voilà, ce qui est jaune, c'est Al-Qaïda. Ce qui est vert, c'est l'État islamique. Hein? Ce qui est gris, c'est les zones d'œufs. A bete rousou, haloube shiroma ba berodo. Eh, malia benide. Aou togo fa bou togo da bou jamundo. Hale terousou ka jagmanin togo. Halou ka wulu togo. Din journaliste tiens. A bali terousou ka wulu togo bedo. A ben alache. Mone sarali. Moga na tere malia ou. Moga si gana ta doua ou kongolo la koube ta kouma bere ou fo Fransi da ataki. C'est la pire vérité. Aya ye. Ama yo kobe ka konside nyoko na chuka amina. Suwa be bo. A. Ko doro nime terousou bolo. Nime kambla diversion la. Ima ye tenza wa ten fo. Ka irisou la gushi. Irisou nana. Tenza wa ten umase ko libere. Ou flene bo. Desele me bomako la. Po niye komunikasyon do de. Kana tege. Kan ye rama bla nyoko na. Kan malien dama ou bla nyoko na. Fransi 24 be komunike ke. Kan ye rama malien dama ou bla nyoko na. Kan tege nga strasou la. Kan tege nga deme baga ou la. Malien denjugu do fana be bomako kono tuguni olu fana be botuguni ka Mali sulamo ni Mali fama fana kodo nyona imaye mauludi kera imaye mogon nano de fe awne ala na kratie ni attaquer ko mbe planifier ali kalo kele nou ye ni planifier nou ni marfa munu dona
Tiens, ma foi, Francis, il est bon à faire quoi à Béouati Diabo, comme on ne qui prépare. Moi, ni moi, mon nom, Mali attaqué au Béba, ma quoi, qu'on a mena. Mali Maouloudi, ani Aesika anniversaire de Tourouanyona. Ou y a préparé qu'à Béni Aesika 5, quel est anniversaire de Yi. Mali en Béka Roynamé. Donc, moi, ben bon. Voilà. Terrorisme ni djihadisme, mon nom, Mali attaqué. Bamako attaqué. Mogo were tebe Francisca mogo de do. Flana ube Bamako kono amena. Awa grupu mado. Awa konana. Konana e maoulu mogo de fede. Galon tegala dendo beka mogo kungulo chofe noue. Abolo ko ataki be prepare nyatu kono nga yelet la. Niye ko chere ma fwa. France 24 journalisti ma fwa. Koube Bamako kono. Paske ouye ataki prepare ka beni. Aye si ka sankele anniversaire de ye. O sankele anniversaire. On est en train de se faire de la vie. On a tout à fait. Donc, Akara Machi Bla, manipulateur cité Bokiban Bla Filila. On a fait un rebord à Kumula, mettre la cour au Fanakala. On a un Wassim Nasser Kakumala, mais. Parce que aussi, ils ont le loisir de s'affronter entre eux, tout en appliquant cette expansion vers les pays du Golfe de Guinée et dans la zone des trois frontières, bien sûr. Ah ben, il met ça. Donc, on a fait un mot au Kumana. Abe Wassim Nasser Kakumaka et ça. Francis journaliste à Bora Aya Ira Djembela. Les journalistes de France 24 revendiquent des contacts avec des terroristes de l'attaque terroriste à Bamako. Dans un tweet et une vidéo controversée, Wassim Nasser, journaliste de France 24, affirme avoir des sources au sein des groupes terroristes responsables de l'attaque en cours contre l'école de gendarmerie de Bamako. Selon lui, l'attaque aurait été planifiée depuis longtemps. Et pourrait être le début d'autres actions violentes visant la capitale malienne. Il affirme clairement avoir été en contact avec les assaillants. A photo flené. A semaine, me dit enfin, ben, Mouroshi, escoro denshi kanana ki ban kongolo sama, ki bita nyenshi, malien de vera ouma, ol de nodu. Jiju ou be, procureur ou be, enquête ou be, sena. Bon, vous nous foutez la paix. Voilà. Farasi yere bora ka fo, nimbe pere vous de. Donc, ma chica n'a qui ban bloku. Tchè si te n'a qui ban bloku. Anga chef de ta mazor fana koumana malion. Ameno oroni fana kalanga djekula men yon fè. Voilà. Aya ni oran la djede malion. A été la cible d'une attaque terroriste. Aya la men. Tout ce matin, le chef d'état major, le général des armées, le général de division Oumar Diarra s'est rendu sur les lieux pour constater la situation et encourager les FAMA pour leur professionnalisme à mettre les assaillants à deux routes. La situation est sous contrôle et le ratissage de la zone se poursuit. Au micro de Tamsir Diabaté, il nous livre ses premières impressions. Voilà. Aya ni oran la djefolo. Voilà. Non, ce matin, il y a eu une des tentatives d'infiltration un peu complexe au niveau de l'école de gendarmerie ici. Et depuis le premier coup de feu, voilà, on a déployé les forces et à l'heure où je vous parle, depuis les premières heures, la situation est sous contrôle. Ma présence ici même, voilà, dans cet état-là, prouve comme quoi vraiment la situation est sous contrôle. Donc, je voudrais en un premier lieu vraiment rassurer la population malienne, de débarquer librement à leur affaire. La situation a été prise en compte par les forces armées maliennes. Les terroristes qui étaient infiltrés ont été neutralisés. Voilà. Les ratissages continuent. Et les complices aussi, nous sommes en train de travailler vraiment pour récupérer les complices. Voilà. Pour vraiment contrôler la situation. C'est voilà. Notre travail. Voilà. Nous sommes des professionnels. Je voulais aussi demander à la population de fournir des informations. Je pense que l'appui a été vraiment très substantiel. Voilà. Permis de récupérer les suspects qui étaient passés par là. Mmh. Et donc, les investigations sont en cours. Mmh. On vient de voir, tous les terroristes qui ont été neutralisés ici. Le point est en train d'être fait. Les évaluations vont être faites. Voilà. C'est le mode de population malienne. Et cette situation-là, elle est faite exprès. Voilà. Que nous sommes tous des Maliens, que les gens ne travaillent pas, nous mettent dos à dos. Voilà. Tu te dis, il faut éviter les amalgames. Voilà. Si une situation se parle comme ça, la première responsabilité sont les forces armées maliennes. Personne qui est interpellée, prenons ces personnes, on avait tout à la suite de la gendarmerie pour les enquêtes. Je vais quand même demander aux uns aux autres vraiment d'éviter les amalgames. Voilà. Parce que l'objectif de ces terroristes-là, c'est de nous mettre dos à dos. Voilà. Et dire que, voilà, essayer de stigmatiser les gens passés par là. Nous ne voulons pas dans ça. Voilà. Mali Arame Nyamoko Ko. Ko Akabo Amalgam Kono. Ko Dobe Kaboka Mogodo Irakol de terroristes ou complice Ko ou Kadablade. Ko parce que attaquer d'abord des airs de ma casse gagnona. Ko donc ko oluka baradika enquêtique. Ko ma chika na isigile to ka salon na kiba foko karsa dake. Ko malien kay malion irada. Mali terroristes a trop
Faransi Adjamou Macron, point final. Aye malion toi, franchement. Dobe fait ka malion kunkar nyokonadi. Anyaba boulo djala koi. Voilà. Anyaba adobe ka sulame ou kele amena. Oube fait de fond agafo de diagouya. Malik kele sulame kele te mal la de. Faransi ka mercenaire, guerre de recolonisation. Au guerre de bé, c'est na kofu kanga samou chouin, kanga fangou chouin, kake Faransi taye. O de kele be pion. Sulame kele te dina kele te malikono. Ala sago au sago, foutez-nous la paix. Na figi jahilou, vous nous foutez la paix. Mounou meka marfa ta a trosugosugu djihadisu ou terrorisme a beye Francisca mercenaire di. Guerre de recolonisation, capitaine ya fode. Capitaine Ibrahim Traoré ya oroni fo. Donc, a viro bembolo mena capitaine ga viro da. Capitaine koko beki prepare à une guerre de haute intensité. Voilà, ko beki prepare capitaine ya fo a mena. Donc, a viro bemba, a viro boka ira mokola. Donc, France 24 journalisti. Ala ya bwa bakola kabi aere bora kali ni terrorisu debe contacti la depuis ni wala malien beka na mais Francisco ko terrorisu be na ataki chamake ba mako kono me au kana panike u ba dabola kama de ka malien jatye kanasra ay tawka chula ayau daka sinro ayau daka sinro aya hakliski iko momira la mode foi pour traiter malien wallahi andale mangarme la Mali sura sinya moko ba koko malien bekay de ka sokono ka sinoko ko foite ko lu be barala ko lu armée be ku ka barake malie shikana panike malie shikana yoko yoko anga sura su andale mbula awa mamunu be kan kele terrorisme munu minena ko moko kana moko ira ko moko de be ka moko de ba ko fe malla de ko ko to lu ma lu bu ka barake moko mu be kan kele terrorisme munu be kan kele francisca moko de do ala sara sara ni moko moko pa francisca ko kuna ka beta ka x y fondro na figi de do jahili deme do ne da fo pion na figi de do awa kolosu la de faso tilaw olu era de terrorisu yo olu era de francisca mercenaire yo francisca la garin do ban singoro te francis to fo de nu mata ik doro karamo ko bado la obetu doro almani do la obetu no mo godola ol de be ka ke mali terrorisi sura me kote chrétien kote mali terrorisi glané do di wala sa ka anga jamana mine ka bo ambulu dina ko kala tede ala ko kala fana te moro foka no bola ay faraka bo mo wala maul du côté foite anga capitaine nga kuma iname écoute intensité c'est à vous chef officier militaire prenez ça en compte commencez à vous préparer pour la guerre de haute intensité j'espère que je me fais comprendre ce n'est pas uniquement du terrorisme ouvrez l'œil. C'est beaucoup plus que ça. Voilà. C'est une guerre de décolonisation. Merci, capitaine. Et vous avez dû entendre ces derniers jours certains généraux ailleurs qui ont fait comprendre que s'il faille qu'ils viennent avec leurs armées nous recoloniser, il faut qu'ils viennent. Eh bien, préparez-vous à la guerre de haute intensité. Voilà. Soit ils viendront eux-mêmes, soit ils passeront par leurs valets locaux qui sont ici pour essayer de troubler notre quiétude. Donc, quiconque, je dis bien quiconque, que ce soit le terrorisme, ou toute autre armée qui doit venir troubler notre quiétude, nous devons nous préparer à les accueillir sur de long terme et intensement. Voilà. Voilà pourquoi je vous dis, préparez-vous à la guerre de haute intensité. Voilà. Capitaine, il y a volé. Une guerre de décolonisation. Oh, comment bana. Moi, je suis là. Nimoumiga, dina kala, qui est chez moi en Chine. Ambe kanga jamana de ngini ka kantayi. Mwa mbe fe kanga jamana ominana. Sulame te kretien te Faransi de dou. Kuma bana. Dina ko te koi. Dina ko kele te malikono. Na figi de chite na. Jahili eskuro faso chila chite na. Kibe na kungulo nyagami de manipulateur. Faransi ka pion do reban sengoro. Dia goya. Fuka galon tre kadoro malien de wera ou de la bambako kono. Uka komblu soube bambako de. Ube ou daleme yan fede. Toko ube ka fode. Okuma awe jiju de ya. Okuma awe avoka ou de ya. Abuloko malien me jinu nou fede ya. Faransi bebado Faransi de benou ko fe anga président nya fo anga ministre ya fo djien corona be ya fo c'est une guerre de décolonisation donc point barre akara machika wo ko lonkana me akambe chao chao me version français que 600 voilà mais yana nga version français que mena fendo ira malien de bela djelena voilà ba ke tout de parce que malien mon me fe ka war ci no wala ki to France Italie Espagne Angleterre Amérique Canada abe Senwave application télécharger téléphone ko da Senwave application télécharger téléphone ko nana Senwave era photo flé na Senwave application télécharger moko ngolo no borona abo woron digito abe sebeni chama kale saisi code promo ibe do kono kaneka code promo sebeni ka code promo to ko urgent yo do dro 10 € be di ma o yire tai
Et ma la fia kabou. 10 euros il taille. En même temps, il y a une banque d'information de la CERNWEB application. Il y a une banque d'information de la CERNWEB application. Il y a une CERNWEB application. Il y a une banque d'information de la CERNWEB application. Il y a une banque d'information de la CERNWEB Sénégal, Côte d'Ivoire, Cameroun. Il y a une banque numéro à enregistrer sur le téléphone. Il y a une banque qui est Amérique, qui est France, qui est Italie, qui est Espagne, qui est Angleterre. Il y a une banque d'information de l'Afrique de l'Oba sur l'orangement de la sur place. O ka sɔrɔ y'u ka orange numéro enregistré n'u tɔgɔ m'u ka carte kan. O kɔfɛ tuguni n'i ye wari ciko fɔlɔ kɛ i tɛ dɔrɔmɛ kelen sara o la. Wari ciko filanan sabanan 1,99€ a bɛna fɔ 2€ a banna. I mago tɛ ko su kora ko banki fɛrɛmɛ la. I bɛ wari ci dɔrɔn i somɔgɔw b'a sɔrɔ sur place orange money la. A dabɔra lafiya de kama. Bɛɛ lajɛlen ka CERNWEB application télécharger i ka téléphone kɔnɔna na. Nannan fana mun ye n'i ye wari ci wave la u b'a sɔrɔ fana la. Maliyɛnw de kun don o kan bɛɛ ciao ciao.